Hey, salut tout le monde, ça c'est l'éponge. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Lego Fortnite pour découvrir le monde de Star Wars. Pour commencer, nous allons voir tout de suite Madame, ou plutôt Capitaine Bravara. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Normalement, elle est venue tout de suite me demander de l'aide dans ma précédente vidéo, mais je l'ignorais. Mais on va voir tout de suite ce qu'elle me demande. Capitaine Bravara, les membres de mon escadron sont actuellement disséminés dans la nature. Il va nous falloir un endroit sûr où nous regrouper. Votre aide sera la bienvenue. Bien sûr, je suis là pour ça. Utilisez les macro jumelles. Elles vous montreront des endroits importants, comme les grottes qui vous mèneront à l'avant-poste. Ok, capitaine, à vos ordres, capitaine. Donc, ce qu'elle demande, c'est qu'il faut que je trouve la grotte. Mais bon, vous savez que dans ma précédente vidéo, pour ceux qui m'ont suivi, je montrais comment faut trouver la grotte. Bah bon, ça va pas m'empêcher de vous montrer. Donc, je sais qu'elle est là. Je suis devant la grotte, donc on va trouver les petits soldats. Normalement, ils sont armés de laser, mais là ils sont plutôt armés de pioches et ah oui, si celui-là il y a encore le laser, celui-là aussi, mais lui je pense qu'il a perdu son arme. Bon, allez, on va découvrir ensemble ce qui se passe derrière la grotte. Ah, oh, ah, ils font des petits bisous. Ah ouais, ils ont quand même, ils se sont quand même installés, hein. Ça se voit, ils ont même posé un lit par là, par-ci, par-là. Ok, ils se sont sentis chez eux, donc la grotte, c'est parfait pour eux. Bon, c'est pas tout, mais il est où votre chef? Ah, il fait nuit. Donc là, je suis dans un autre biome. Tout est à l'air paisible. Il n'y a pas de... Ah, je regarde les jumelles. Ah, là, j'imagine que c'est un danger. Ah ben voilà! C'est là-bas que je dois y aller. Ok. Nous allons tout de suite découvrir ce qui se passe par là-bas. 3 km à pied, ça use, ça use. 3 km à pied, ça use les coups de pied. Ah, c'est donc là leur base. C'est donc ici. D'accord. Ok, bon, j'espère qu'il n'y a pas de danger par ici. Avant-poste rebelle, prairie niveau 1. Ok. Donc j'imagine que c'est moi qui dois améliorer cet endroit. Il manque le lit. Ah, ben c'est capitaine Bravara. Comment vous avez fait pour être jusqu'ici? Moi, je traversais la grotte, vous n'étiez pas avec moi. Bon, allez, qu'est-ce qu'il va nous dire? Comme vous pouvez voir, ma flotte est tombée sur des têtes de sceaux. Au-dessus de cette planète, l'atterrissage a été difficile. En tant que capitaine, mon travail est d'établir un avant-poste temporaire et de recueillir les survivants. Et vous allez m'aider. Pas vrai? S'il vous plaît. Tout d'abord, il nous faut un abri. Et on ne peut pas construire un abri si on n'a nulle part où le mettre. Nettoyons un peu ce gravats, d'accord? J'ai configuré un hologramme pour vous aider à identifier les gravats qu'il faut enlever. Ok. Donc ça, j'imagine, c'est leur totem. Hein? Ah oui, c'est exactement ça. Donc ce qu'il faut, c'est niveau confort, village niveau 1. Ajouter construction, ok. Citrouille, ressources requises, ok, bon. Ah ben ces trous, il doit en avoir autour. Hein. Donc, dans le premier temps, je dois nettoyer cet endroit. Hein, comme si elle ne peut pas faire elle-même. Oh, c'était quoi ça? Je viens de découvrir un schéma d'objet. C'était quoi? Ok. Morceau de racier. Bon, je ne sais pas à quoi ça va servir. Je vais voir ça après. Et voilà, c'est nettoyé. Qu'est-ce qu'il demande à faire? Ah, maintenant il faut que je construis. Bon, allez, commençons cette construction. Ça n'a pas l'air difficile. Ça, à mon avis, ça doit être bien. Hein.
C'est une barrière électrique, je pense. Si je passe dessus, est-ce que ça va être brûlé? Non, ça va. Ça fait mal peut-être aux ennemis, mais pas pour nous. Et voilà, ferme rebelle, construite, terminée. Ah, c'est joli, on m'empêche, hein. Maintenant, il manque le lit. Bon, ça va pas être compliqué, ça, mais on va découvrir ensemble l'ensemble de la construction. Oh là là. Bon, c'est simple, hein. Mais ce qui m'attire le plus, c'est la petite fenêtre. C'est joli, hein. Et surtout la barrière aussi, hein. Électrique. Je sais pas si ça va servir à quelque chose, hein. Si moi je peux sauter, n'importe qui peut sauter. Ok, bref. Le capitaine avait demandé deux lits. Donc je vais mettre trois lits pour voir lit simple, hein. Pour voir si ça va être bon. Comme d'habitude, je suis très délicat. Mais avant, je vais d'abord rajouter de la lumière. Je vais aller trop vite là. Pas de lumière la nuit. Il est très sombre. Je vais mettre de la lumière dans chaque coin. Voilà, j'ai fini de mettre de la lumière. Maintenant, je vais mettre deux lits comme elle a demandé. Pour l'instant, lit simple. Pour commencer, un lit. Ah, elle est contente, ça va. Donc, je vais mettre un deuxième lit. Et j'espère que le troisième, ça rentre. Oui, ça rentre. Ah, c'est pas égal, mais bon, c'est pas grave. C'est super, elle est contente. Qu'est-ce qu'elle demande d'autre? Le lit, c'est fait. Donc, ça demande des citrouilles. Bon, ça, c'est pas compliqué, regardez. Il y en a plein partout, les citrouilles autour. Si ça se trouve, ils n'ont pas choisi cet endroit par hasard. Allez, je vais prendre des citrouilles. Un citrouille, deux citrouilles, trois citrouilles, quatre citrouilles, cinq citrouilles. Ah, un petit bout de bois. Un autre petit bout de bois. Six citrouilles, sept citrouilles, huit citrouilles. Allez, neuvième, peut-être ici. 9 citrouilles. Ah, il n'y a pas un dixième. Allez, hop, un dixième citrouille, s'il vous plaît. Pour les deux Star Wars. Ah, je vais sûrement trouver d'autres. Ah, bah, il y en a dans la forêt. On va les chercher par là. 10 citrouilles. Ah, c'est bon. Il y en a assez, là. On va voir si ça marche. Alors, oui, c'est bon. Je peux améliorer. Voilà, les choses qui sont faites. Vous êtes content, Madame Capitaine? C'est un plaisir de vous voir. J'ai parié que vous êtes en train de vivre une aventure super excitante. Oh, ça peut se faire. Ça a marché. 6G et 4-3 ont capté le signal de notre balise. Vous devrez aller à leur rencontre pour vous présenter. Prenez ce cadeau de la part de Rébellion. Qu'est-ce qu'il me donne? Nourriture, abri, droïde, bien nous avons le plus important. Maintenant, il est temps de transformer cet endroit en véritable avant-poste rebelle pour préparer la contre-attaque. Il va falloir renforcer nos défenses. Un établi nous aidera à fabriquer des armes. Ok, bon, il faut un établi. Oh, les deux petits robots magnifiques! Comment il s'appelle? M-6JR. Alors, ah, je suis allé trop vite. J'ai les jointures 6 oxydées que je peux à peine bouger. Oh, désolé pour toi. Salutations, je suis M-6JR, responsable de relations entre la ferme et les formes de vie cybernétique. C'est toujours agréable de rencontrer une nouvelle personne. Couvrez-vous, Axel Éponge, nanana. Il y a des pins nordiques et de la malachite en foison dans le terre gelée
Allons nous y servir. Si je voulais m'aventurer dans la glace glaçante, terre gelée, j'irais sûrement vers le sud. Ben non, c'est vers le nord qu'il faut y aller. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il peut me donner un truc? Non, il peut pas. Lui c'est 4-3S, enfin 43S, on va dire 43 secondes quoi. Loué soit la grande concepteur, ces bains d'huile est une bénédiction. Salutations, je suis C 40, 43 secondes, 43S, représentant des relations entre la ferme et bon, il fait comme son pote quoi. Ah, blablabli, blablabla. Au revoir. Hop, un homme donné. Ok, bon, capitaine. Ce qu'il nous faut maintenant, des épées. Donc, ce qu'elle voulait tout à l'heure, c'est l'établi. Pour faire un établi, est-ce qu'on a le nécessaire? Oui, c'est bon. Elle veut l'établi, bah, je vais mettre l'établi juste ici. Et il faut que ce soit à l'intérieur. Hein. De toute façon, hein, si elle a plu, ça marchera pas. C'est bon, elle est contente. Maintenant, il faut que j'améliore l'établi, j'imagine. Pour ça, il faut une carapace. Je viens de voir qu'il me faut aussi du scie. J'espère que ça va tout rentrer là-dedans. Hop, hop, hop. Non, ça passe pas. Nanana. Oh, ok, je vais mettre juste là. Voilà. J'imagine qu'il faut mettre la bouffe aussi. Mais il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour la bouffe. Je vais faire comment? Ah, mais même les robots, ça dort. Oh, c'est nouveau ça. C'est parfait, je les planche parce que j'ai ramassé pas mal de choses et tout ça, bah, il faut que je stocke quelque part. Ah, j'ai une petite idée, tiens. Je vais mettre les coffres entre les lignes, là. Ça y est, tout est bien rangé. Maintenant, ce qui demande le totem, c'est des épées. Et pour ça, il faut que je fasse des tiges de bois. Allez, on arrête de faire des planches et maintenant on fait des tiges de bois. Allez, va, ça suffit. Pendant que les tiges de bois se passent, moi je dois aller chercher les carapaces pendant qu'il fait jour, hein, les carapaces normaux pour améliorer justement l'établi. Il y en a un juste là. À l'attaque! Bim, bim! Deux coups, c'est bon. Moi ça doit te faire un one shot quand même, hein. Avec l'épée que j'ai. C'est l'épée puissance 4. Oh, il y a quoi là-bas? Est-ce qu'il y a quelque chose à découvrir par ici? Non, juste deux lits. Ah, c'était un coffre, ça? Non, même pas. C'est un coffre, mais on peut pas regarder dedans. Oh, c'est quoi, ça? C'est quoi qui est loin, là-bas? C'est un ours? Eh ouais, c'est un ours. Il est balèze. Ah, il m'a vu! Il m'a vu, l'ours! Allez! À l'attaque, non, pas l'attaque. Au secours! Au secours! Si je tape. Wow, il tape fort. Mais pas assez fort. Oh! J'ai réussi à le battre. Ah, il était pas si fort que ça. Il y allait impressionnant, mais il n'était pas si fort que ça. Bah, tant mieux, hein. De retour devant l'avant-poste de rebelles. Est-ce que je peux améliorer d'abord mon établi, on va voir ça. L'établi. C'est bon, c'est parfait, je peux l'améliorer. C'est parfait. Est-ce que je peux encore l'améliorer? Il demande encore à l'améliorer. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais juste améliorer, mais. Pensez bête, au lieu d'améliorer, je fais une hache. Là, oui, je me disais, c'est bizarre quand même. C'est trop bizarre que ça pas. Oui, c'est là, oui, c'est amélioré. Allons voir. Ah, il faut faire des épées maintenant. Faire des épées. Des épées. Ils sont pas là. Épées courtes. Il faut, si je me rappelle bien, il faut 3. 2 et 3. C'est parfait, c'est parfait. On va voir le totem, c'est super. Youhou, c'est amélioré, c'est génial. Ah, je peux faire d'autres constructions maintenant. Ok, bon, il faut que je casse tout ça.
Ah ouais, ça avance vite là, les travaux là. Voilà, c'est super. Et maintenant, ils vont demander quoi à faire. Ah, mais il faut que ça construise tout de suite. D'accord, ok, bon, vas-y, hein. Qu'est-ce que je dois faire là? Ah, ok, je dois faire un mur. Ensuite, ça. Je monte ça. Oh, c'est le côté. Voilà, c'est parfait. Ah, ok, bon. Je dois faire une petite cabane, enfin, un chalet plutôt. Ah, j'ai remarqué que je peux pas ajouter. Voilà, il manque un truc là, je sais pas ce que c'est. Il me manque un truc, mais il faut que je cherche. Ah, je viens de voir une excellente idée. Et je me dis, si je vais aller voir les ennemis, peut-être qu'ils ont ce que je cherche. Pour ça, il faut que je les localise avec ma super jumelle. Alors, ah, il y en a ici à 572 mètres, 516 mètres. Ok, bon, j'ai le choix. Bon, je vais voir celui-là, il a l'air isolé. Allez, prenez ça, bande de nuls. Ah, il met des sirènes en plus. Ah, comment je les massacre. C'est bon, il n'y a plus personne ici, il y a encore un survivant. Le dernier survivant. Ah, cet endroit est pour moi. Ah ah. Et du coup, j'ai eu pas mal de choses. J'ai un laser. Wow, j'ai un laser. Il y a pas mal de lasers. Bon, ben, encore un coffre. Un coffre hyper rare. Il y avait quoi là? Ah! Quoi? Je me suis fait avoir! Je me suis fait avoir! Le coffre, c'était un piège! Il y a encore du monde? Je suis sûr qu'il y a encore quelqu'un quelque part. Je vais voir. Je vais vérifier partout s'il y a encore quelqu'un qui est encore survivant. Est-ce qu'il y a encore un survivant ici? Répondez! Pour que je vous tue. Non. À part les loups qui gagnent en dessous de moi, il n'y a personne. Oh, c'était un piège. J'étais en train d'ouvrir. Et paf! J'espère que ce coup-ci, il n'y aura plus personne. Sinon, ce sera un combat à l'infini. Oh, ben voilà, c'est super. C'est bon, j'ai eu ce que je voulais. Est-ce qu'ils m'ont donné... Oh, il y a pas mal de choses là. Oh, ils m'ont donné 11 plastroïdes. Avec tout ce que j'ai ramassé, je vais... Enfin, pouvoir finir ce chalet en bois. Voyons voir ça tout de suite. J'espère qu'ils vont pas m'envoyer encore autre part. Enfin, j'ai terminé. Oh, petite révolution quand même, il y a des antennes. Oh là là, oh là là là, je me brûle. Fallait pas que je passe par là. Ah, c'est... ça donne ça. Le petit chalet en bois. Ah, la petite fenêtre, c'est encore changé. C'est encore de plus en plus mieux. Elle est belle, hein. Elle est belle, cette maison. Alors, qu'est-ce que demande le totem? Il demande encore 4 lits. Enfin, il faut un quatrième lit. Ami à plume, bon, il faut une petite cabane. Hein. J'ai une petite place par là pour ne pas encombrer les maisons. Allez, je vais mettre ça ici, pas trop près du mur non plus. Là, c'est parfait. C'est super. Évidemment, il vient m'applaudir, capitaine. Alors, il faut un lit. J'imagine que ça doit être placé par ici. Niveau la porte, c'est pas super, super. Je vais mettre juste là. Il ne demande pas d'autres lits. Hein. C'est juste un lit comme ça. Lit normal. Voilà, c'est posé. Elle est contente, oui, c'est super. Maintenant, je peux améliorer enfin. Ah, ben voilà, c'est super. Ben voilà mes amis, je suis bien avancé quand même sur ce Star Wars. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas de liker, de
de partager, de commenter. Puis toi qui passes par là, qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche entièrement pour ne rien rater sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!